On pourrait découvrir une nouvelle saveur, telle que le pôle Nord. Allons au pôle Nord, c'est parti. Mode difficile. J'attends d'avoir la sainte amélioration pour le tenter en impossible éclaté. Ok, donc ils arrivent par là. On a des trucs pour placer les trucs. Ils passent par la route, j'imagine. Que personne ne fasse de blagues sur la forme de cette map. Personne. Nous sommes des adultes matures. On pourrait... Ah ouais, on peut carrément le placer là, genre derrière. C'est quoi ? Moi, je suis un grand fan des sous-marins. Early game sous-marin, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Allez. Ah, d'accord, en fait, ils font ça, puis ça, puis... Ah. Ok. D'accord. Donc là, ça passe pas. Ils font un grand tour par ici. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont cette amélioration-là, mais faudrait que j'ai une tourelle capable de le suivre sur toute la map. Un mage ? On pourrait placer un mage. Ici, par exemple. Ok. On va faire mage plus sous-marin. Oh, Chamafieux, merci pour les 8 mois de resub. 464, merci pour les 10 mois de prime. Bon, il y a plus de chiffres, mais tu m'en veux pas. Il y en a vraiment beaucoup. Et là, boum! Comme ça, il sera capable de... d'aider sur tout du long. Parce qu'il est capable d'aider tant qu'il... Enfin, vous voyez, quoi. L'explication était pas au top, mais vous voyez, quoi. Est-ce que j'ai réussi le niveau d'hier? Ouais, je viens de le faire. Sans la moindre difficulté, c'était pas un problème. Suffisait d'appliquer la bonne technique. Bon, après, c'était peut-être pas la même difficulté aussi. Peut-être que je suis en train de mentir, on sait pas. On sait pas, on le saura peut-être jamais. On va attendre. Toi, on va te mettre en focus sur les blindés. Combien de manches? 85. Ok, faut pas perdre ça de vue. Ok. On va lui mettre les trucs anti-camouflés aussi. On va prendre le tir double. Et après, je pense que je vais attendre pour un bananier. Le tir double, il carry vraiment trop. Je vais attendre ça. Il n'a pas dit, il a dit sans la moindre difficulté. C'est pas mentir puisqu'il a baissé la difficulté. J'aime ta mentalité, j'aime beaucoup ta mentalité. Il y a mentir et savoir bien tourner certaines phrases. C'est deux choses totalement différentes. Ok, on va chercher la première bananerie.
Et boum. Et boum. C'est pas une map pour bananerie. Oh, oh, oh. C'est bon, j'en ai une. Bon, on va se contenter d'une. Et l'autre, ce sera pour le village. Et là, on va poser ceci. Prochain objectif, c'est le village de singes. Ouais, en fait, j'écris de l'économie. Prochain objectif, c'est le village de singes. Plein d'argent, c'est super cool. On va placer ça là. Hop. Et maintenant, on va augmenter ceci. Et c'est parti. Faudra pas oublier les futurs. Ouais, mais on va prendre ça. On va prendre l'attaque speed. On va placer un autre sous-marin. Parce qu'on adore les sous-marins, c'est super cool. Ok. Et maintenant on pense à l'économie. Eh, j'avais oublié les... Ah, attends, on va prendre ça. Mais vous vous souvenez des super cool... Des super cool bateaux. Je pense... qu'un super cool bateau à sa place. Bienvenue à toi, super cool bateau. Et là, on va attendre l'usine. Ouais, on va pas oublier ça en fait. Et on va augmenter la S. Et maintenant je jure qu'on attend l'usine. Ta ta ta. Exactement, Toxico, exactement. Super cool. Manche 45, ok. Azaki, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue à toi. On patiente pour l'usine. L'usine va me faire boom économiquement. C'est un peu comme PoE, ce jeu, c'est PoE. Je pense même que ça devrait être un mini-jeu de PoE directement intégré à PoE. Ah, c'est l'usine qui arrive. Et boum. Ah non, c'est pas le moment de perdre, hein. Je viens d'avoir mon usine. Voilà. Et là, on a ça. Émage de feu. Et on va mettre un monsieur gluant. Il est où, le monsieur gluant? On va le mettre là. Priorité cible forte. Boum. On va mettre un super cool sniper. Super cool. Ouais, on va lui mettre ceci. Ok, il a bien ce bonus là. On va prendre ceci et ceci pour les futurs. Les futurs, vous savez quoi?
un super mage sur le passage piéton. Un mage de air. Je peux faire ça, effectivement. Tiens, mage devant. Et on va lui mettre ça. Ah. J'ai envie de foutre ça sur la map. Tiens, on pourrait boom l'économie également. Ouais, il reste encore pas mal de manches. Allez, on va faire ça. Je pense que ce sera rentable. On pourrait mettre un petit canoun aussi. Et maintenant, on va chercher ça. Et on va en rajouter un ici. Et c'est super. Rank en 9, déverrouille, oh! Sous-marin singe, active l'immersion en utilisant l'option aussi pour détecter les blooms qui mouflaient, les faire éclater et réduire le temps de dissipation de la tour. Un tir missile dévastateur sur le plus grand bloon de l'écran, détruit jusqu'à un bloon ZOMG en une fois, ou plusieurs bloons de moindre taille. Ok, d'accord, c'est un pouvoir que je peux déverrouiller, très bien. Mais moi, je suis là pour la pollution visuelle. Voilà, parfait. La pollution visuelle qui commence, c'est ce que je recherche. Ah, vivement les compétitions. C'est dommage que Zerator n'ait pas intégré... des bons jeux à Salan, et excusez-moi, mais il n'y a pas Plant vs Zombie, il n'y a pas Bloons TD, il n'y a pas Kingdom Rush, bon. On a une petite erreur sur le choix des jeux, j'ai envie de vous dire. Après, je lui en veux pas, hein, c'est Salan. Mais bon, des Tower Defense Sport auraient fait plaisir. Boum. Attends, est-ce que vous pensez que... Non. Est-ce que vous pensez que... Ah. Sniper. Sniper gang. Et on va les améliorer. Un petit singe de glace. Allez, c'est bien parce que vous l'aimez bien ce petit singe. Tiens, on va mettre ça. Ça, y a pas besoin, ils l'ont déjà avec le camp, la détection des unités camouflées. Bon, on va tous les améliorer d'un coup. J'ai oublié ton meilleur pote. Qui était mon meilleur pote? C'était qui mon meilleur pote, les gars? Bah après, si je l'ai oublié, c'est que c'était peut-être pas vraiment mon meilleur pote. Ah, le super singe! Oh, j'avoue, je suis en train de jouer sans super singe. C'est quoi ce bordel? Bon, je fais l'amélioration et promis, je l'oublie pas. Et boum, et maintenant, le super singe. On garde le meilleur pour la fin. Merci pour les 3 euros, nos Rush Boys. Oui, j'ai vu. Pas difficile de pas être au courant. Oxygen Life, merci à toi pour les 3 euros. Non, Age of Empire 2, c'est trop véritablement e-sport. Steward.
La micro-gestion, c'est ouf. La multigestion et tout là. Il faut penser aux paysans et aux unités militaires. Les speeds des unités. Et hop, oh, oh. Uniquement à niveau débutant. J'aime le jeu et j'y joue à niveau débutant, mais c'est tout. Tiens, tu peux pas t'améliorer, toi. Bon, je tiens à dire quand même que depuis que je stream du Bloons Tele 5, je me surpasse de fou au niveau des titres. C'est du jamais vu. Je suis très très fier de mes titres. Ok, on est sur quelque chose de solide. On pourrait en mettre un autre. Parce que pourquoi pas. Oh, surgel. Ok, je te prends, je sais pas ce que tu fais, mais bienvenue. Ok. On va t'améliorer. On va te mettre ça et ça. Futur super singe. Mange 82, très bien. Eh bien... On pourrait remettre un anti-Moab. En vrai, les snipers anti-Moab, ils font trop le taf. Je suis en train de me rendre compte que ces putains de snipers en late game... Mamma mia. Les Moab ne bougent plus. Regardez comme ils sont bloqués. Ils se font tellement doomed. Et boum, 400$, 3 jetons, on est super content. Mais ça ne s'arrête pas là. 5000$, c'est bien. Mais on en veut plus. Pour la petite, tiens, labyrinthe, difficile, c'est parti. Je t'ai jamais fait, on va voir ce que tu nous réserves. Alors déjà, t'as un petit bassin. Si t'as un petit bassin, bah tu me permets de poser des sous-marins. Du coup, t'es mon pote. J'ai testé le temple soleil, ça donne quoi? En gros, ça mange toutes les tours qu'il y a autour. Ça mange leur amélioration. Et ça te fait une tour giga méga turbo OP. Alors, le labyrinthe, oui. 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 Et est-ce qu'ils vont se perdre ici et ici parfois? Ok, j'ai une idée. On cherche à le coller. On va faire une stratégie... Une stratégie early sous-marin. Lui, on va le mettre là juste pour la range. Juste pour qu'il soit capable de transmettre sa range au sous-marin en fait. Prends ça. Oui, ils se perdent souvent. Ils se perdent très très souvent ces ballons. Mais un sniper pour transmettre la range partout. Attends, ça marche? Si ça marche. Attends, si ça marche. C'est la plus belle chose au monde. Mais peut-être que ça marche pas. Yabou, le chat a pas l'air très d'accord. C'est très rare de voir un chat Twitch uni comme ça, mais là... Là, on est sur un marche-pas sec et autoritaire. Tiens, on va mettre un mage pour les futurs blindés.
Tellement hâte d'avoir les 7500 gold, les gars. Quand j'ai les 7500$, je prends la double amélioration et je fais le niveau sur lequel j'ai échoué hier, dans la difficulté maximale dans laquelle j'ai échoué 3 heures de suite hier. Et je peux vous assurer que je vais me venger. Ce stream ne se finit pas tant que j'ai pas les 7500$, que j'ai pas pu prendre l'amélioration et que j'ai pas pu gagner ce niveau. Je peux vous assurer, je meurs de faim s'il le faut. Mais je vais aller au bout de mes rêves. Bouge la cam, please. Ah ouais, j'avoue que pour ce niveau, c'est pas très opti. Tiens, mon grand garçon, je la mets là. C'est une répartition un peu bizarre, mais si ça passe plus loin, c'est que c'est perdu. Je me sens un peu bizarre, je me sens... Ma tête, elle est random, là. Elle est en... Bon. Et c'est important. Alors, bien évidemment, avec un espace aussi grand, il est obvious que je vais bananer. Ok. Allez, on prend l'amélio. Tiens, on va prendre ça, ça va tellement augmenter le clear. J'aime tellement le sous-marin. Je pense que le sous-marin est ma tourelle préférée. Je crois que je vis une histoire d'amour avec ce sous-marin. Tiens, on va encore lui rajouter ça. Mets les bananiers sur la route avec la ranch, ça va aider le sous-marin. Ouais, mais après je vais devoir bouger ma souris et tout. Non, t'inquiète, on mettra d'autres trucs. C'est pas une mauvaise idée, mais... Juste t'inquiète. Et la boum! Et là, on pourrait penser à... Comment faire? Oh! E-sport. Et là, on augmente la range de toutes les tourelles. Et là on met ça. Et on prévoit ça. Et un autre. Pourquoi pas ramener mon bon vieux pote? Mon bon vieux pote super cool. On pourrait... Ouais, là, avec une augmentation de range. On lui met l'augmentation à 3200. Pas oublier ça aussi, ça va casser les couilles. Amélioration à 3200. On lui met ça et on focus l'économie. Et après on focus pour le late game. Ok, c'est le plan de jeu. On lui met ça. On met ça et maintenant on attend pour avoir ça. Et là le curseur ne bouge pas. J'ai juste appuyé sur entrée de temps en temps.
Ah, il va commencer à voir ses saloperies. On va rajouter ça, ça les calmera. Petit délai, c'est que 1400 dols. Derrière toi, merci pour le sub. Très heureux que tu apprécies l'e-sport. Et là on met ça. Et là boum! Le boom économique c'est parti! Et on rajoute ça, et là on est bien. Et là je suis en plein boom économique. On va. On va rajouter un mec comme ça. Et on va augmenter la portée. Et on va augmenter l'économie encore une fois. Comme ça j'aurai deux usines relativement rapidement. Et on sera bien. Je devrais mettre un délai au cas où les autres joueurs e-sport voudraient te stream avec. Oui, c'est vrai, mais je prends le risque. Pour l'interaction avec les viewers. C'est pour vous de rien. Un canon après. Ok, double usine. Ne pas perdre maintenant. Ok. Et là, il commence à y avoir des... Des Moab un peu énervés. Mais on va leur montrer. On va mettre des canons. Et... Un homme glu. Et... Singe de gel. Et... Plein de snipers. Voilà. On va les placer ici, en formation, de manière esthétique. On va farm un peu, on va attendre. On va mettre un avion parce que pourquoi pas. Maintenant il est temps d'améliorer. Voilà. Il y en a déjà un qui est bien. On prend les petites caisses. Et regardez ça, ça les paralyse. Pastor the God. Merci pour les 21 mois mec. Passport, The God, excuse-moi. Niveau suivant, gel profond. Gel de couche, allongeant la durée de ralentissement. Allez. Mon dieu, les trash units nous submergent. Il faut un deuxième singe super cool. Plasma. On va s'occuper en les plaçant en forte et en leur donnant des petites améliorations. Je suis à combien? Ah, tu sais quoi? Je prendrais bien ça. Le sorcier oublié alors qu'il fait un gros tas depuis le début, ce serait sympa de le récompenser à Alderiat. Hey, tu marques un point, le petit Billy mérite peut-être une augmentation. Pourquoi pas faire de lui un fier mage devant. Tiens petit Billy. Singe pilote d'élite. Ah bah oups. J'ai mal choisi mes améliorations pour avoir le truc. Tant pis.
pas grave. Et boum. Et là on sort les gros snipers. Les gros snipers anti-Moabs. Une autre usine? Non. À ce stade-là du jeu, non. Je vais faire un dernier sniper anti-Moab. Parce que ce sera beau. Voilà, 4-4, bien propre. Et maintenant, on pourrait... Oh, bon vieux dieu soleil! J'avoue que les snipers anti-Moabs, bon, c'est cher, mais... Bordel de merde! Ça carry tellement le late game! Allez, premier dieu soleil, c'est parti! Et encore un! Et qu'est-ce que je vais faire de mes thunes maintenant? On pourrait s'amuser à upgrade tous les snipers en anti-Moabs. Ça pourrait être un objectif. Un objectif assez coûteux quand même. Mais... Il faut le faire pour la petite. Un super roi soleil, le temple. Ah, vous l'aimez ce temple. Je peux pas en dire autant malheureusement. Le dieu soleil de base est très bien. Là c'est un dieu soleil. En devenant un temple soleil, je le tue. Je refuse de lui faire ça. Tu veux que je fasse une mitrailleuse? Tiens Billy, c'est pour toi Billy. Destructeur, boum, boum, boum. N'importe quel type de bloom. Et regarde, c'est moi qui les pulvérise tous ces Moabs. Je les détruis. Bravo, tu as terminé le circuit en mode difficile. Et on continue, on n'a pas que ça à foutre, bordel. J'ai plus d'argent à farmer, moi. Mais 7 500 $ vont pas se farmer tout seul. La cam. J'avoue. Ok. Alors. Oh, allez, d'accord. Allez, on fait celui-là en difficile, c'est parti. Wouah, du jamais vu! Il y a deux... Attends. Ah d'accord, ils font des tours. C'est incroyable. Malheureusement, je n'ai pas accès au... à l'eau. Je suis donc triste. Je vais mettre un ingénieur pour carry l'early game. Bienvenue, ingénieur. Tu es là pour l'early game. Que des snipes. Mouais. Et voilà, on lui met les petites tourelles. La trouille, merci beaucoup pour ton prime. Bienvenue à toi. Desouros, merci pour les 2 années. Merci pour les 2 années de sub. Ah, il n'y a pas de sous-marin sur cette map, ça m'ennuie. Mais bon, on va devoir accepter la chose. Pas comme si j'avais le choix. On va mettre
Un sorcier singe là, en prio sur les unités fortes. Vous voulez une tourelle rose? Allez, on peut l'XP pour vous faire plaisir. Allez hop! Et la musique? C'est vrai, elle s'est baissée, je sais pas pourquoi ça fait ça parfois. Ok, voilà. Vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Je sais que vous adorez cette musique, du coup je vous l'ai remise à fond. Go faire des tourelles roses dans tous les trous. Oh j'avoue! Mais pas tout de suite. Oh wow! On va prendre ça. On va prendre l'anti-fufu. Et après on va chercher bananier. Et le village. Boum boum. Bananier. Premier bananier placé. Amélioré. Vous voulez des tourelles roses dans tous les trous? Vous inquiétez pas. Pas tout de suite, je dois d'abord bien mettre en place mon économie. Mais on pourra faire quelque chose de très esthétique. Tiens. T'es bien focus sur l'effort, d'accord. On va mettre un petit village ici. Et voilà. On va mettre ça. Tiens, on va améliorer ce truc là. Oh non! Oh non! Il est passé le vilain! Tiens! On va mettre des petits clous par là. On va mettre un deuxième web. On va faire ça aussi. On va faire ça. Ces ballons invisibles m'agacent. Je vais leur montrer. Je vais leur montrer, moi. On va ramener le super pote. Le super pote singe. On va le placer... là, comme ça, il aura une très très grande portée. Pas oublier qu'on peut l'upgrade. Ça pour counter les invisibles. Et on va rester sur ce setup pour le moment. On va chercher à tryhard l'économie maintenant. Boum. Oh.
Oh! L'économie est mise en place pour avoir plus de liberté. Boum, on augmente la range parce que c'est vraiment hop. Et maintenant, usine. Ah, c'est vrai que j'ai pas le... Bon, on va mettre ça. L'usine se voit un peu retardée, malheureusement. Et là, par pitié, laissez-moi atteindre mes 13 600. Ça va me permettre de faire des trucs très aétestiques. Ok. Exactement, Vonch. Et là, pour le moment, ça va. On pourrait même dire qu'on est en train de roxer. Je pense sincèrement qu'on peut dire qu'on est en train de roxer. Boum. Et là, boum. Et là, c'est full amélioré. Du coup, on va améliorer le super cool pote. Parce qu'il le mérite. Il est temps de penser à Gluman également. Focus sur les fortes. On lui met ça. Pas plus pour le moment. Toujours dans un souci de boom économique. Ok. Ne pas oublier mes poteaux de sniper. On va placer 4 snipers ici. De manière stylée. Focus sur les cibles fortes. Ok. On pourrait donner un petit coup de main à notre ami le sorcier. Ah mais avant on veut augmenter l'usine. Enfin, sauf s'il y a un problème majeur d'ici peu de temps. Hey Stariel, merci beaucoup pour ton prime. Et boum. Et boum. Et boum. L'économie est en marche. Et je pense... Je pense qu'il est temps de ramener mon super cool pote. Et maintenant, dans un but purement esthétique... On met ça. Et on améliore un coup les snipers. Et on réaméliore un coup les snipers. Et ça continue. Mets des roses sur chaque trou. Ah, je crois que je vais manquer d'argent. Ah, la map... Oh, c'est une honte. La map est pas design. La map est pas... Oh oui. Je pensais que la map l'empêchait, mais en fait, ça va. Ok, il y en a, c'est plus difficile que d'autres. Oh oui, là.
Là. Désolé, Billy. Ok, là j'ai besoin d'un peu plus d'argent. Parfait. Et là on met ça. Fait chier, on peut pas. Ça on peut par contre. Et voilà. Maintenant que l'IT stick est fait, on va prendre les anti-Moab. Et regarde là, ils sont anéantis. On améliore tout ça et après on commence à améliorer ça. Tiens, toi tu mérites d'être un match devant. On finit les deux snipers, puis on améliore le plus de petits trucs comme ça que je peux. Un de plus, il en reste plus qu'un. Il reste combien de manches encore? Ok. Tiens, avec tout l'argent qu'il va y avoir, peut-être faire ça. On bouffe tellement. Pas besoin des lunettes de vision nocturne. Ils sont dans la range d'amélioration. Et du coup, ils peuvent quand même voir les unités camouflées. Donc, pas besoin. Ok, c'est fait. Et maintenant, c'est parti. Boum, 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 boum. Pas sûr de bien voir ce qui se passe. C'est le feu. C'est si beau! Fallait alterner, Non, c'est beau! Je vous assure que c'est très très beau! Il reste combien de temps? Il reste ça. Un turbo singe. Je vais attendre de stacker un peu d'argent et je vais continuer. Commode infinie, t'es trop bien parti. Ouais, mais ça va me servir à rien. Faut rapporter de l'argent. Faut rapporter de l'argent, les gars. Faut rapporter de l'argent. Faut farmer les dolls. Allez, hop, hop, hop. Ok, on va refarmer encore un peu. Ah, je sais pas si je pourrais. Ok, il y a moyen que ça passe. Attends, juste laisse-moi continuer. Juste laisse-moi joli 2 secondes. Continuer. Je sais. Tada!
C'est fait. C'est fait. Et maintenant je peux quitter le niveau en paix. Faites un screen et mettez-le en fond d'écran parce que... Oh, j'en reviens pas, c'est si beau. Si seulement je pouvais avoir ça comme fond d'écran. Bon. Ça c'est fait. Ok, on continue. Encore quelques niveaux. Et l'amélioration est là. En vrai, il était super cool ce niveau. On va le faire vite, on va le faire rapido sans moyen. Ça fera quelques dolls. Et c'est parti. Il y a moins de manches. Donc c'est pas forcément moins bien. Il y a moins de manches à faire. Ça rapporte un peu moins, mais t'as 20 manches de moins à faire. N'oubliez pas qu'on est dans un but de dollars. Si, on va mettre plutôt un ingénieur ici. Oh, un ingénieur super cool ici avec cette tourelle. Ce sera vraiment incroyable. Ingénieur avec tourelle. Pourquoi je veux des dollars? Parce qu'il y a une amélioration à 7500 qui va potentiellement me permettre de prendre ma revanche sur un niveau qui m'a fait beaucoup, 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 beaucoup de mal hier. Mais je n'exagère pas, hein. Vraiment il m'a fait souffrir, il m'a fait du mal. Maintenant on va mettre un petit mage. Ok, boum. Fortification forte, c'est parti. Toi, on te met l'éclair et c'est parti. J'ai passé que 3 heures dessus. Oui, mais j'ai pas passé 3 heures dessus de n'importe quelle manière. J'ai passé 3 heures dessus en étant persuadé à chaque fois que j'allais gagner. Et j'ai passé 3 heures dessus en perdant une fois à la manche 84 sur 85. Tout ça sans gagner le moindre dolls. Chercher le petit éclair, l'anti-fufu, et on sera bien. Petit éclair, on met les autres améliorations et on est bon. Par contre, j'espère vraiment que l'amélioration de thune va pas me décevoir. Sinon, je risque de pleurer. Mais fois de thune, c'est pas plutôt l'argent que tu gagnes en fin de mission. Alors, le fois de thune augmente de 2 les pièces que je gagne en fin de mission. Un truc comme ça. Je sais que ça augmente un truc que je gagne en fin de mission. Mais ça me permet aussi d'avoir mon argent d'early game doublé. Et sur un jeu comme ça, parce qu'en vrai les tower defense ça se joue énormément sur l'early game. Parce qu'une fois que t'as mis ton économie en place et que tu peux chier de l'argent, c'est easy. Mais le plus dur est l'early game. Donc ça va me permettre d'avoir un early game bien plus puissant. Ça change tout. Ok, bananier, et on commence. L'amélioration. On va chercher à mettre un autre bananier. Avec une petite amélioration. Maintenant, on va chercher à mettre un village. Comment ça, oxygène life? J'ai pas compris.
Ok, le vidage est placé. Tu vois, on va lui prendre ça parce que c'est vraiment cool. Et maintenant, amélioration. Encore amélioration. Boum. L'économie est en bonne voie. On va prendre quelques améliorations militaires qui mettront bien toutes mes tourelles. Plus de portée, plus d'attaque speed. Je suis méfiant. J'ai besoin d'un pote super cool. Bienvenue à toi, pote super cool. On va lui prendre l'amélioration rayon laser. Boum. Et maintenant, on attend les 13 000. Le pote super cool, il est drôle. Oh putain. Ok. Il essaie de nous arnaquer avec les camouflés. On va pas se laisser arnaquer. Ok, c'est parti. Gun Mechanics. C'est quand les playoffs de cette saison de Bloons? Début décembre. Merci beaucoup pour les 11 mois. Est-ce que j'ai réussi le niveau d'hier soir? J'y travaille. J'y travaille actuellement. Je suis en train de durement y travailler là. Ok, la première usine. On la met full, vite, vite, vite. Et on se contentera d'une usine parce qu'il n'y a pas assez de niveau. Et maintenant on va mettre un autre super pote. Hey Taurine, merci beaucoup pour ton prime. Bienvenue à toi. On met ça, on met ça. Il mérite peut-être une petite augmentation, ce mage, après tout ce qu'il a fait pour nous. Ce mec-là aussi, il fait de la peine, il serait temps de l'augmenter. Oh! Ah! J'ai bien réfléchi, j'ai quand même envie de le prendre. Après moult réflexions. J'aimerais devenir pro e-sport dans un TD, tu me conseillerais lequel? En tant qu'expert en tower défense, et après avoir poncé grandement Plant versus Zombie, et pro player sur Bloons dorénavant, pro player sur les 3 Kingdom Rush, Plant versus Zombie mec. Plant versus Zombie ou Bloons? Mais Plant versus Zombie. Parce que Plant versus Zombie, il est quand même vraiment incroyable. C'est mon coup de cœur perso. Moi je trouve que Plant vs Zombie est vraiment super sympa. What the fuck les gars, c'est une map à hélico je crois. C'est une map à hélico hein. Alors, poursuite,
Ok. Pas nécessaire. Poursuite. Et c'est parti. C'est pour gagner la partie que je fais ça. Tiens, reviens là toi. Allez, je veux gagner, je veux mon argent. Wouhou ! Des dolls, c'est des jetons. Alors, on va maintenant faire des calculs. Ok, c'est bon. Argent de départ. Ok. Il me reste encore 11 jetons, très bien. Alors, il me faudrait encore quelque chose comme 3 difficiles. Et 3 difficiles égale 1200 plus 1 250. Ok. Ok, on va préchauffer. On va faire celui-là en moyen pour avoir les 250. Et après, on en fera 3 en difficile en espérant les réussir du premier coup. Et c'est parti. Et on met ça. Merde, t'es pas le bon. Ok, on recommence. C'est pas l'ingénieur. J'ai tendance à les confondre. Plus tu te fais éclater. Non, t'inquiète. C'est impossible que je me fasse éclater en fait. J'ai fait un travail physique et mental intense sur moi. Je ne peux pas perdre aujourd'hui. On est juste en train de préchauffer, on fait la difficulté moyenne. La difficulté extrême arrivera un peu plus tard, dans la soirée. Maintenant on rajoute ça. On est serein. On va rajouter un petit mage en haut. On est serein. Va-t'en. Et la musique là, remets-moi la musique à fond. Voilà, là on parle. Hey Gimpo, merci beaucoup pour ton prime. Là, on va chercher l'éclair, l'anti-invisible, puis bananier. Enfin, vous connaissez la chanson, quoi. On est là, quoi. Donc, Ja, merci pour ton prime. Bienvenue à toi. Wallhunter X, merci pour tes 3 mois de resub. 5 au totals. Merci à Twitch pour toutes ces informations. Killpuce est 1. Merci pour les 3 mois de resub. Ok. On farmouille tranquillement. On prend ça. Maintenant on vise les bananiers. Bon, je vous avoue que si je fais tout ce farming pour un nouvel échec, ça va être dur, mais... Mais je pense réussir. Donc là, il faut réussir ce niveau. Il faut encore réussir 2 niveaux en difficile pour avoir les 400 gold.
Derrière, on prend l'amélioration, on voit ce qu'on peut faire de nos pièces, et boum. Ok, je me permets de faire ça. Ok, il y en a deux qui passent, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. On va faire ça. Et on va faire ça. Winter X, merci d'avoir donné un abonnement à Zygadan. On va augmenter la range des tourelles. Ok, ce serait bien de poser le village maintenant. Que ce soit pour les futures améliorations des bananes ou pour les tourelles en général. Ok. Village posé. Amélioration prise. Le... Salaud! Ok, on a quelques-uns qui sont passés, c'est pas grave. On va mettre fin à cette mascarade. En mettant des clous à la fin. Pour les potentiels qui passent. Boum, c'est mis. Et c'est reparti. Et maintenant, on va attendre pour le super coup de pote. Mais non, il aurait pas déjà perdu. Je n'aurais pas joué de la même manière. Et j'aurais pas les mêmes capacités. Enfin, tu dis n'importe quoi. On continue d'économiser pour le super coup de pote. Hop. Mortex de Verdier, merci pour les 18 mois de sub au total. Merci beaucoup, mec. On augmente la vitesse d'attaque, on augmente la range. On continue comme ça et après on focus sur l'économie. Ah, pas oublier ces salopards de... De camoufler là. Les blindés camouflés, on se prépare pour eux. Faut faire passer le singe comme ça et on sera bien. Allez, encore un peu à attendre. Slag, merci pour le prime. Bienvenue à toi. Bienvenue dans l'e-sport, bienvenue dans la légende. Ok. Ouais. Et maintenant on écho les... Ouais. Maintenant on écho. On est en full écho. T'as craqué, t'as plus de jeu. Et fais attention, Blizzien. C'est bien plus chronophage qu'on pourrait le croire. Je pensais que c'était un petit tower defense à la Kingdom Rush, en mode, tu fais la campagne, difficulté principale ou quoi. Et en 20 heures de jeu, grand max, c'est bouclé, t'as fait tout le contenu possible. Oh que non! Oh que non! Ce jeu a des milliers d'heures de contenu. Il est très dangereux et très aspirant. Et boum! Et boum! Et on full upgrade l'usine. Et voilà. Et là, on peut penser à des améliorations pour la petite. Genre ça. Un homme clu, il est grand temps. Non. Ok, tout est sous contrôle. Je me suis peut-être laissé un peu déborder, j'aurais dû ralentir la vitesse. Mais ce n'est pas grave, je n'ai pas perdu. Donc tout est sous contrôle. Ça ne se passera pas comme ça cette fois-ci. On va rajouter un canoun et un autre canoun. On va tous les deux les mettre en forte. Tac, tac, tac. Tac, tac.
Tac. Tiens, pourquoi pas les... des bons poteaux snipers. Bienvenue, mec. On va en mettre un deuxième. Et après... ah non, peut-être pas un deuxième. On va mettre le dieu soleil d'abord quand même, hein. Oh, merci à toi, Yurt. N'hésite pas à communiquer autant que tu veux de cette sorte. De cette façon. Eliadril, merci pour ton prime. Bienvenue à toi, mec. Comme toujours, bienvenue dans la légende, bienvenue dans l'e-sport. Mode impossible? Ouais, mec. Je suis en mode impossible, là. J'espère prendre ma revanche sur hier. Mais là, pour le moment, le niveau se profile plutôt bien. Ah, allez, on est bien, là, pour le moment. Hey. Ça se passe bien mieux. On va améliorer le mage. Zaworudo, merci pour ton resub. Tiens, mage devant, c'est parti. Tiens, mon bro. Ah, yes, yes, yes. Oh, impossible. Putain! Ah, ça fait plaisir! Cette fois, j'ai gagné! Mais de rien, yo, je serai toujours là pour toi. Alors, c'est peut-être une arnaque. J'avoue, j'ai peut-être menti. Terrier de lapin. Maintenant, faut que j'en fasse trop en difficile pour avoir l'amélioration que je veux. Attends une minute, on va la run dans le vide. Ok. Ok, ouais. Ok. C'est bon. Boum. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Salut à toi, Zouzou. Oui, oui, oui. Mais ne t'inquiète pas, tu le reverras. Tu le reverras en fin de stream. Tiens. On va mettre un... non. Ouais. Boum, c'est parti. Non, j'ai pas vu la vidéo, Bionotor. Donc 1 sur 3. Si je réussis ce niveau, il en restera encore 2 à faire avant de tenter ma revanche contre le vilain niveau. Le vilain niveau qui m'a fait beaucoup souffrir. Ça manque un peu de musique. J'avoue, ça l'a encore fait.
Ok. Et là, boum. On pourrait augmenter la portée. Ça pourrait être incroyable, il pourrait les poser un peu plus... Ouais. Un peu plus, ouais. Ok. Commencer l'écho, ouais. Ouais, faut juste ça avant. Pour les potentiels camouflés, parce que j'ai rien contre. Voilà. Et là, on pourrait mettre des petits bananiers, etc. Merci pour les 3-0, Distros. Il m'est impossible de lire ça, sérieusement. Mais merci à toi. Merci à toi, mon grand gaillard. Bananier. Boum. Ok, on est là. On est là, on économise. Ok, l'économie est en place. Faudrait peut-être rajouter un vrai pote, quoi. Genre un village. Un village, c'est un vrai pote. Les invisibles. Ils commencent. Attends, mais je fais rien là. Qu'est-ce que c'est que toute cette thune? Tiens. Attends, tu peux pas partir, toi? Voilà. Le super pote. Et boum. Maintenant, on va prendre quelques améliorations pour être un peu plus serein. Et éviter ce genre de merde. Tiens. Et on va prendre le truc anti-fufu. Et voilà. Et maintenant c'est reparti pour l'économie game. Economy game. Tiens, dans le doute, on va clouter par là. Economy game. Merci pour le reset, Vales. Vales. Merci pour les 2 mois, mec. Attends, what the... C'est parce que j'ai lu le don. C'est la faute du don. Les améliorer deux bananiers en même temps, c'est pas bien. Il faut se contenter d'un bananier, puis le mettre à fond, puis passer à un autre. Ce n'est pas Kyrion, c'est pas pour 3€, mec. Merci à toi, ce n'est pas Kyrion. Ouais, non, le deuxième bananier, c'était pas ça. Mais vous inquiétez pas. J'ai appris de mes erreurs. J'ai appris de mes erreurs, ça va le faire. Vous avez rien entendu, bordel, j'ai mis ma main devant la bouche, arrêtez. Ça va maintenant. On va chercher à mettre ça ici. Voilà, mon grand.
Ça c'est véritablement gamer, y'a pas de doute. Elia, merci pour le 9e mois de resub. Il nous faut l'éclair. Mais non, biche, c'est pas vrai. Il était très bon. Putain, putain, putain. Tout ça à cause du deuxième bananier. On va mettre ça, ouais. Ouais, le premier bananier, surtout pas un deuxième. Le premier bananier qu'on avait bien amélioré. Et je suis sur une technique du futur. Toi, on va peut-être t'améliorer un peu quand même parce que tu pues. Et après, on va mettre le bananier. Ok. Bananier placé. Maintenant, ne pas troller. Ne surtout pas troller. Mais alors surtout pas. T'es bien focus sur les unités fortes, ouais. On va mettre une usine à clous ici. On va chercher à placer le village. C'est placé. À quoi servent les bananiers? Économie. Power spike économique. Des plus gros tas de clous. Pour les potentielles vagues de fufu. Maintenant, on pourrait prendre une amélioration du bananier. Je suis en train de réflexionner. Ouais, économie. Ok. Ok. On va tenter un tourbillon. Le tourbillons. Tiens donc. Ça a failli être la merde là. On pourrait améliorer ça. On pourrait prendre ça. On pourrait... Bon, j'ai amélioré. En fait, je fais pas exactement la même chose que la game d'avant. On n'est pas loin, certes. Mais c'est pas exactement la même chose. Du coup, tout va bien se passer. Maintenant, on prend ça. On va prendre le double laser, puis on va retrahir de l'économie. Ok, maintenant tryhard économique engagé. Ah, j'ai peut-être pas ramassé certaines bananes. Oups. Deuxième bananier pour l'essor économique. Je complète d'abord l'usine.
Ah, c'est vrai que ces trucs vont commencer à pop. Bon, on va voir. Ah non. Plutôt poser un canon maintenant que de mourir. Voilà. Et maintenant, on attend patiemment, gaiement, les 13 000 $. Hop. Parce que c'est une propriété, sup. C'est une propriété que j'activerai quasiment jamais, je me connais, donc du coup, c'est pas worth. Et boum! Et le boom économique est là! Et on fout la meilleure usine. Ok, c'est parti! Et là, on parle! Et là, boum! Oui, c'est vrai que le village a beaucoup de range. Grâce à mon amélioration que j'ai prise hier. Tiens, on va reprendre. Voilà. On va encore augmenter la portée. Oh, ils ont réussi à passer. Ok, on va leur sortir le grand jeu par ici. L'usine à pic. Elle rigole plus. Deuxième bananier. Bananier amélioré. Bananier amélioré, j'ai dit. Il faudrait un homme glu. Et effectivement. Un homme glu aidera beaucoup. Ok. Je suis à cette manche-là, très bien. Je suis en plein essor économique. Boum! Et boum! Turbo Power Spike économique. Qui va permettre d'accomplir de grandes choses. Comme un super pote. Non. Oh.